Je suis réveillée depuis 6h45. J'ai un truc de ouf à vous raconter, je peux même plus attendre. Je suis encore en pyjama et tout. Bref, je sais pas ce que vous avez prévu, mais moi, je me prépare et je vous explique tout. Donc, je vous disais. Je vous explique, hier soir, j'ai pris mon ordinateur pour fermer toutes mes pages internet, voilà, pour l'éteindre. Puis sur Facebook, je vois que j'ai j'ai une demande d'amis. Et quand je regarde, je vois que c'est Sébastien Coé qui me demande un ami. Alors bon, j'accepte, parce que je reconnais la photo, mais en même temps, je vais vérifier le compte, quoi. C'était le compte officiel. Donc ça veut dire que c'est le vrai Coé. Et ensuite, pas longtemps après, je vois une publication de Coé justement qui s'affiche et qui dit qu'il fait donner un iPhone X aux 200 premières personnes qui aiment et commentent moi sur son statut. Quand j'ai vu, il y avait genre 38 j'aime et peut-être à peu près le même nombre de commentaires. Donc j'ai aimé et j'ai commenté pour voir si ça allait marcher, parce que je ne croyais pas du tout. Bon, voilà, je regarde, je vois si ça marche. Après, bon, je me déconnecte et puis je ferme mon lit, je l'éteins et voilà, bon, et je dors. Ce matin, je me réveille, il est 6h45, j'arrivais plus à dormir parce que je m'étais levée juste avant, enfin bref. Comme j'arrivais plus à dormir, je me suis dit je vais reprendre mon ordi, histoire de m'occuper un petit peu. Je vais sur Facebook, je vois que j'ai un message, c'était un message de Coé qui me demandait l'adresse de livraison, mon nom, mon prénom, la couleur du téléphone et mon numéro en cas de pépin. Et là j'ai dit waouh, attends, ça a marché mon truc. J'ai vraiment gagné le téléphone. Avant de sauter au plafond, on va attendre voir si je le reçois. Bien évidemment, je vais attendre de le recevoir. Et quand je l'aurai reçu, je me ferai savoir, évidemment. Je me suis méfiée. J'ai vérifié qui c'était exactement, ce Sébastien Coé. J'ai vu que c'était un compte officiel, que c'était le vrai Sébastien Coé. Que son statut pour gagner un iPhone X, c'est pas de la merde. Donc j'ai vraiment reçu le message en privé. Qui me disait qu'il fallait l'adresse de livraison, tout ça. Donc en gros, j'ai gagné. Que dire de plus? J'ai été dans les premières à commenter. Donc que dire de plus? Je pense que j'ai vraiment gagné. Donc je m'attends pour l'instant à le recevoir. Et on verra plus tard. Sur ce, ben, plus qu'à attendre quoi. Des courses, je me suis fait arnaquer, mais alors vraiment bien. J'ai fait confiance à la personne qui était derrière l'écran et qui n'était finalement pas du tout le vrai Sébastien Coé, mais un imposteur. Là, je me sens un petit peu honteuse d'avoir cru que cet homme pouvait être vraiment Sébastien Coé. Je me sens honteuse d'avoir cru
que ce jeu qui faisait gagner un iPhone X était honnête et je me sens honteuse d'être allée jusqu'à appeler le fameux numéro qu'on m'avait donné pour avoir les codes. Et le truc, c'est que maintenant, le résultat des courses est que je vais en avoir pour 90€ de code à payer, en plus de ma facture de téléphone normale. Et ce que j'avais pas pris en compte au départ, parce que regardez, hein, j'ai fait mes petits calculs, vous voyez, hop, ça c'est la feuille sur laquelle j'ai noté tous les codes qu'on m'avait demandé, d'accord ? Donc ça c'est tous les codes, et à côté j'ai fait un calcul, et j'étais jamais tombée dans une arnaque comme celle-là, et du coup vu que j'avais jamais fait, et que je pensais que c'était Sébastien Coé à cause du fait que son compte c'était un compte officiel, je me suis pas dit à un seul moment qu'il pouvait me mentir. Je me suis dit à un moment que si ça se trouve, il me dit que c'est gratuit, mais je vais avoir à payer. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait ces petits calculs. C'est à cause de ça. Donc j'ai compté le prix des codes. Le problème, c'est que le truc que j'ai pas pris en compte, c'est le prix des appels. Parce que quand on regarde le vrai résultat des courses, la facture finale de téléphone, et j'espère me tromper en le disant, la facture finale de téléphone sera de presque 113€. Plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'il y a plein de trucs qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Le fait, par exemple, c'est le premier message où il me demande les 5 premiers codes. Je me suis méfiée. C'est pas le problème, je me suis méfiée, je me suis dit bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de code? Et je lui ai posé la question. Quand il m'a répondu, il m'a dit bah oui, les codes, tu les as en appelant ce numéro, tu appelles 3 fois pour avoir un code, et c'est gratuit. Et il m'a bien, le pire, c'est qu'il m'avait bien spécifié que c'était gratuit. Et qui m'avait bien spécifié que j'avais pas du tout à m'inquiéter parce que tout était déjà payé et que le numéro leur appartenait. Et donc que le prix qui était annoncé dans la boîte vocale, c'est-à-dire 2,99€, le prix qui était annoncé dans la boîte vocale, c'était un prix qui était soi-disant mis pour éviter les arnaqueurs et qui était à payer seulement si on appelait d'un pays étranger. Il m'a tellement bien convaincue par rapport au fait que c'était gratuit que du coup moi j'ai appelé sans... voilà. Et le problème c'est que j'ai juste pris en compte le prix des codes et que j'ai pas pris en compte le prix des appels. Il y a plein de trucs qui me sont passés par la tête depuis hier. Depuis hier toute la journée, ensuite toute la nuit. J'ai quand même réussi à dormir, heureusement. Mais toute la nuit, ça n'a pas arrêté de cogiter dans ma tête. Je me suis réveillée en pleine nuit. C'était encore en train de revenir dans ma tête. À peine je m'étais réveillée, c'était revenu dans ma tête et j'avais de nouveau ce malaise. Alors qu'en dormant, allait bien. Quand je me suis réveillée ce matin, que je me suis levée, pareil, toujours ce malaise, c'était toujours en train de cogiter. Et depuis hier, à force de cogiter, je me dis qu'il y a plein de trucs qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Le premier message où il me demande les codes, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'aurais dû en parler à mon père tout de suite. Et il m'aurait dit, ah bah c'est bizarre, ne réponds surtout pas. C'est une arnaque, ou je sais pas trop quoi. Ça m'aurait évité ce genre d'embrouille. Ensuite, je me dis aussi que si ça avait vraiment été
le vrai Sébastien Coé. Ok, peut-être que le tout premier message qu'ils m'ont envoyé, donc donne-moi l'adresse de livraison, machin, machin, tout ça, peut-être qu'il aurait vraiment envoyé. Mais derrière, une fois que j'aurais envoyé, il m'aurait dit, ok, tout va bien, colis posté. Si ça avait vraiment été une offre du vrai Sébastien Coé, je pense que c'est le genre de message qu'il aurait envoyé. Mais alors là, sur ce coup-là, j'ai été très idiote. Là, ça se voit peut-être pas sur mon visage, je ne sais pas, je ne me vois pas. Mais quand je vois le malaise dans lequel je suis là maintenant tout de suite, s'il vous plaît, là, je fais cette vidéo, en fait, pour de la prévention. Pourquoi je vous en fais part? Parce que c'est un truc qui arrive tous les jours. Je dois pas être la première à le dire. Et je serai certainement pas la dernière. Mais vraiment, quand c'est sur les réseaux sociaux, quand t'as des gens qui arrivent à se faire des faux comptes officiels au nom d'une personne qui est censée être connue, qui fait de la radio, de la télé, je sais pas quoi, du cinéma... On s'en fout, d'accord? Quand tu vois qu'il y a des gens qui arrivent à se faire des faux comptes officiels à leur nom et qui disent, voilà, je fais gagner tel truc aux 100, 200 premières personnes qui commentent et aiment ce statut. Quand tu vois qu'il y a des gens qui font ça, eh ben je suis désolée, on peut pas rester les bras croisés. Donc moi, là, tout de suite, voilà pourquoi... J'ai fait cette vidéo. Quand on voit le début de la vidéo, moi je m'attendais à une toute autre suite. Et quand je vois qu'il y a plein d'autres personnes comme moi qui vont se faire avoir et qui vont aller jusqu'au bout, parce que pas un seul moment ils vont se dire mais... Attends. Tu vois? Moi, même moi, je trouve que je me suis rendu compte un peu trop tard que c'était une arnaque. Et quand je vois que t'en as qui vont jusqu'au bout pour avoir le téléphone, qui payent bonbon leur facture de téléphone, parce qu'en réalité c'était pas gratuit, et qu'en plus de ça ils voient jamais la couleur du téléphone, je pense qu'il y a un énorme problème partout sur internet par rapport à ça. Je pense vraiment que sans tomber dans la paranoïa, on devrait être méfiant vis-à-vis de ce genre de d'offres. Il y a trop de gens qui perdent des sous à leur insu à cause d'arnaques comme celle-là. Et je suis certaine que ce genre d'arnaque, à mon avis, il aurait fait payer des codes jusqu'à arriver au prix du téléphone. Donc en fait, tu le reçois gratuitement, mais en réalité, t'as payé le téléphone. Je pense aussi que après avoir avoué ça à mon père, je pense que derrière, l'ordinateur, le téléphone, tout ça, malheureusement, ce sera terminé pour un petit moment. J'espère que non, mais il y a un risque. Donc là, on va terminer cette vidéo. Je le redis une dernière fois. Faites attention aux posts sur les réseaux sociaux qui vous font gagner je ne sais quel cadeau. Ça peut être un téléphone, ça peut être une console, ça peut être, j'en sais rien, un voyage, je sais pas, d'accord? Mais faites attention aux posts sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, qui vous font gagner un cadeau. Ne participez surtout pas sans avoir vérifié que ce n'est pas une arnaque. Le problème, c'est que c'est très difficile à vérifier, mais il faut le faire. Sans tomber dans la paranoïa. Hein ? J'ai bien dit, sans tomber dans la paranoïa. Ça s'appelle de la méfiance. Vraiment, soyez vigilants et prenez soin de vous, bien évidemment. Voilà. Et moi, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand du coup, mais ouais. Donc salut.